Bonjour, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Ici, je vais fabriquer une bibliothèque moderne en mélaminé. Donc pour ça, je vais utiliser du panneau 19 mm en duropal. Et le décor, c'est du pin fano blanc. Donc c'est des très grosses plaques. Je vous ai déjà fait débuter en deux chez le fournisseur. Et le reste, je vais faire le pré-débit au sol à la plongeante. Donc voilà, une fois tout mon pré-débit fait, je vais monter une lame 60 dents. Ensuite, je règle mon inciseur, je le laisse déplacer à environ de 1 mm à 1 mm et demi. Et là, c'est parti pour la mise à format au code définitif. Donc dans ce projet, il n'y a rien de compliqué. Le plus difficile, c'est de gérer la place, parce que la bibliothèque fait quand même 2 mètres par 3 mètres. Et surtout de bien signer le mélaminé sans faire d'éclat. Maintenant j'installe mon chariot à carrière pour pouvoir tronçonner toutes mes longueurs. Bon, maintenant il est temps de plaquer les champs. Donc je vais utiliser du champ ABS en 1 mm d'épaisseur. Donc j'ai à peu près trouvé les bons réglages pour ce type de champ, c'est à peu près 188 à 190 degrés. Et l'avance de 3 mètres à la minute. Donc pour plaquer ce type de champ, il faut absolument une plaqueuse. Ou alors c'est col néoprène et enfin, un seau ou raquette, mais pas de ça à replacer, c'est impossible. Donc pour l'utilisation de la plaqueuse, c'est pas compliqué, il faut juste pas louper le train quand le champ arrive. La petite table que je me suis fabriquée pour pouvoir utiliser la plaqueuse en fixe est très pratique. On voit que je peux passer des pièces assez longues et que je garde un bon appui. Et on va pouvoir voir ensuite que je m'en sers aussi de petite table de travail pour pouvoir raser mes champs. Ici je me sers du coupe en bout fourni avec la plaqueuse. C'est très pratique.
Donc une fois que les champs sont coupés de longueur sur les panneaux, je vais utiliser un ciseau à bois de 40 mm pour les araser. J'aurais pu utiliser la pleureuse, mais ça fait du bruit et ça fait surtout beaucoup de copeaux de plastique. Ici, j'utilise une marée mûre pour pouvoir en breveler derrière. Juste un coup de scie suffit. La lame elle fait 3,2 de bois et mes derrière en MDF font 3 mm d'épaisseur. Maintenant, je passe à l'assemblage des caissons bas. Tout sera assemblé des vis auto-tourillonnantes de 50 mm. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette première partie. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez les faire dans les commentaires. Et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous pouvez en allant cliquer sur une petite pub sur YouTube ou encore bien sur Tipeee. Je vous remercie et à bientôt pour la prochaine vidéo.